Bienvenue dans Simo Auto. Dans cette vidéo, nous découvrirons le rôle et le fonctionnement de cardan dans le système de transmission, les dysfonctionnements de cardan, les symptômes les plus populaires de défaillance de cardan, quelques informations sur le changement de cardan, la meilleure façon de protéger le cardan. Le rôle et fonctionnement de cardan dans le système de transmission. La système de transmission est une partie mécanique dans la voiture, qui fait la transformation du mouvement de rotation du moteur en un mouvement de rotation aux essieux, et par conséquent aux roues. Les cardans ont pour rôle de transmettre l'effort de rotation du moteur aux roues tout en favorisant le mouvement de suspension et de braquage des roues avant. Cette pièce mécanique est également désignée sous le nom d'arbre de transmission. L'ensemble relie la boîte de vitesse au moyeu des roues motrices de la voiture. Le cardan est une pièce essentielle dans le système de transmission, outre le fait d'assurer la rotation aux roues motrices, les cardans permettent la suspension et le braquage des roues avant. La durée de vie du cardan avoisine les 100 000 km. Le cardan est composé d'une barre munie d'articulations à chaque extrémité. La protection de ces articulations est assurée par un soufflet rempli de graisse, le soufflet de cardan, qui isole le système des projectiles et de l'introduction de poussière et autres détritus. Cette pièce est capitale car en cas de défaillance, l'articulation sera endommagée prématurément. Les dysfonctionnements de cardan. Lorsque les roues motrices sont à l'avant, les cardans, en plus de supporter la suspension, doivent subvenir aux besoins de la direction du véhicule, chose qui les use plus vite par rapport à ceux des propulsions. Lorsque l'un des cardans est défectueux, aucune transmission de l'effort de rotation vers la roue n'est possible et la voiture ne peut plus avancer. Si le cardan vient à céder, la transmission ne joue plus son rôle, rendant l'auto inutilisable. Si votre cardan casse alors que vous êtes en virage, la direction devient difficile à maîtriser. Si la rupture du cardan survient pendant la conduite, la direction se bloque et il devient impossible de manœuvrer le véhicule. Une situation périlleuse si cela arrive en prenant un virage. Ce cas de figure extrême reste toutefois assez rare. De plus, les symptômes d'un cardan défectueux sont facilement identifiables. Les symptômes les plus populaires de défaillance de cardan. On peut mettre en avant un claquement répétitif lorsque le conducteur négocie des virages ou des courbes. Le fait de braquer à fond les roues devrait l'accentuer. Il est essentiel de réaliser cette manœuvre pour savoir si le problème se trouve à droite ou à gauche du véhicule et ainsi aider au diagnostic d'un professionnel. À noter que le bruit d'un cardan endommagé se rapproche d'une rotule usée. Il convient donc de ne pas les confondre pour s'assurer qu'il est nécessaire de changer un cardan. Il se peut aussi qu'on entende le même bruit lors des accélérations et les décélérations sur les voitures à transmission de type propulsion. Avant de changer un cardan, il convient de vérifier l'intégrité des amortisseurs. Bien qu'ils ne soient pas directement connectés, l'usure de l'un entraîne généralement celle de l'autre. Une conduite trop nerveuse avec de fortes poussées d'accélération influe également sur le cardan, ce dernier peut se craqueler ou être percé. Une fuite de graisse est symptomatique d'un soufflet de cardan endommagé. Il faut aussi veiller à l'intégrité du soufflet pour éviter les pertes d'huile et la dégradation du joint de cardan. Des traces de graisse mélangées à de la poussière peuvent indiquer qu'un soufflet commence à se fatiguer et que l'on se doit de contrôler dans les plus brefs délais. Donc les signes qui indiquent un dysfonctionnement à le cardan sont: émission de bruit de claquement dans les virages, d'énormes à-coups du moteur dans le cas des transmissions très usagées, bruit de claquement lors d'accélération ou de décélération. Les soufflets de cardan sont endommagés. Les vibrations. Quelques informations sur le changement de cardan. Le prix pour changer un cardan est variable en fonction de véhicule. Il faut néanmoins prendre en compte les disparités liées au taux horaire, au type de voiture, ainsi qu'à l'année de production des pièces. Changer un cardan est une opération de mécanique complexe qui requiert l'expérience et le savoir-faire d'un professionnel. Ce qui justifie le prix d'un cardan dans un garage en comparaison du coût de la pièce détachée. De plus, l'importance du cardan dans la transmission nécessite des vérifications supplémentaires afin de s'assurer d'un montage viable et ainsi prendre la route en toute sécurité. Simo Auto préconise le remplacement des soufflets de cardan toutes les 100 000 km en suivant les recommandations du constructeur dans le livret d'entretien. La meilleure façon de protéger le cardan. Nous mettons à votre disposition des conseils pratiques afin de mieux entretenir votre cardan.
Outre le fait de changer régulièrement le cardan après sa durée moyenne de vie, certains soins peuvent rendre votre cardan plus efficace, et ce, sur une plus longue. Il faut graisser les soufflets pour augmenter leur durée de vie et par conséquent celle du cardan. Rapidement changer les soufflets dès que l'on détecte des traces d'usure. Conduire en douceur et ne pas conduire trop vite sur les bosses de route.